matin. Donc j'ai deux réunions, une réunion avec ma manager, c'est un one-to-one, genre en bilat, c'est bimensuel où on échange sur le suivi des projets. Et le deuxième meeting, c'est un meeting avec notre graphiste. Je traite toujours mes petits mails, j'ai des relances à faire sur des projets en cours. On va faire une activité d'équipe cet après-midi, donc on a une réservation dans un resto et ensuite on va faire de la céramique. Voilà, et après, soit on rentre et on continue le travail, soit je pense qu'on s'arrêtera du coup. Je pense que là, ce qu'il faudrait, c'est que sur le brief, on puisse avoir vraiment exactement le même template que je t'ai envoyé. L'objectif, c'était juste d'implémenter le contenu. Je pense qu'en termes de deadline, il faudrait vraiment qu'on ait le retour d'ici au maximum mercredi prochain. Finissent plutôt tôt. Ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'avais deux petites réunions. Une réunion avec ma directrice marketing sur un bilan en fait de tous les dispositifs marketing que j'avais mis en place et un état des budgets du coup que je devais lui présenter. Et après, j'avais une autre réunion sur un projet de développement et d'acquisition sur lequel je travaille depuis 3-4 mois, enfin depuis 3 mois plutôt. Et après, ce que je fais, c'est que j'organise les meetings du début de semaine d'après, donc du lundi et du mardi. Là, j'ai un meeting organisé avec la marketing manager. Donc comme moi, je suis marketing manager pour la province du Québec. Et là, j'ai un meeting organisé avec la marketing manager de la région de Colombie-Britannique et de l'Ontario. Ça va être un peu chaud parce que c'est full English. Et comment dire que je suis pas fluent en English, mais c'est cool parce que ça va être un beau challenge. Je suis contente parce que je vais travailler beaucoup plus en anglais et c'est ce que je voulais quand je suis arrivée ici aussi, donc c'est plutôt cool. Pretty sure that I'm gonna be very nervous, but it's okay.
j'ai fini ma matinée et mon début d'après-midi de travail. Du coup là je vais rejoindre une pote, on va aller boire un café dans le Mile End pour tester un nouveau café. Et ensuite à 18h je vais voir deux autres potes et on va aller boire un verre rue Saint-Paul je crois, au petit dep. Je crois que c'est vers dans le Vieux-Montréal. Voilà. Je dois travailler sur deux projets donc en cours. Un projet que j'ai lancé la semaine dernière et donc que je dois faire valider cette semaine. Je crois que c'est... Bon bref. Et un autre projet sur le... que je coordonne et que je pilote. Enfin les deux projets je les coordonne et les pilote de toute façon. Mais celui-ci je le coordonne avec mon équipe à Toronto du coup. Et donc là je devais juste valider l'interlocuteur avec lequel je vais devoir spécifiquement travailler sur un sujet spécifique dans l'ensemble de ce projet-là. C'est en anglais, full English sur ce projet-là, mais c'est cool, au moins ça m'exerce. Mais ce matin, j'ai pas de réunion, donc ça va. L'avantage du télétravail, c'est qu'on peut en profiter pour faire ses lessives. Right here. Et du coup, comme il me manque la lessive parce qu'il faut que j'en fasse d'autres, je vais descendre vite fait à Jean Coutu. Parce que j'ai un Jean Coutu pas loin de chez moi pour acheter la lessive et pour lancer mes lessives. Cet après-midi, j'ai deux meetings. Un meeting
LinkedIn sur un projet de marketing automation et un meeting sur un projet d'expérience client, parcours client, expérience client. En fait, sur ce projet-là, je suis en train de refondre toute l'expérience client et le parcours client de bout en bout, de A à Z, et d'identifier les points de rupture d'information ou les points d'amélioration d'information dans le parcours de bout en bout du client. Hello! Salut Kimia, comment vas-tu? Ça va et toi? C'était clair notre demande en gros, là, c'est que nous tu sais qu'après. On peut choisir une solution marketing automation. Nous à l'interne on n'a pas ça, genre. Oui. Tu sais, je suis rien à savoir encore la solution. Ça va me parler, mais on veut quelque chose qu'ils vont pas faire, ok? Hey yo. Bah du coup, j'ai fini le travail et donc là je vais à ma séance de tennis. Enfin, je prends mon cours de tennis du coup.